Hello everybody, bonjour tout le monde. Today you are going to improve your French pronunciation. I always say that a good way to learn French is to read French books. So, I'm going to read the text twice. Listen carefully the first time and read it with me the second time. These texts are extracted from one of my books, Le Retour des Druides, La Terre en Danger. There is a link in the description just below the video in case you want to know more about this book. So, here we go! Alexandre était un jeune et bel adolescent de 14 ans. Il était de grande taille. Ses cheveux châtain foncé épousaient à merveille ses yeux bleus et son sourire ne laissait personne indifférent. Son visage harmonieux inspirait la gentillesse et la confiance. Il était élevé dans le respect de la nature, dans l'amour de son prochain, dans toutes ces valeurs si chères à ses parents et si chères à l'Irlande. Chaque année, il revenait sur cette île, pays natal de sa mère Victoria. So, now, we read together. Alexandre était un jeune et bel adolescent de 14 ans. Il était de grande taille. Ses cheveux châtain foncé épousaient à merveille ses yeux bleus et son sourire ne laissait personne indifférent. Son visage harmonieux inspirait la gentillesse et la confiance. Il était élevé dans le respect de la nature, dans l'amour de son prochain, dans toutes ces valeurs si chères à ses parents et si cher à l'Irlande. Chaque année, il revenait sur cette île, pays natal de sa mère Victoria. Another text. Encore abasourdi par ce qu'il venait de voir, Alexandre recula de quelques mètres et s'assit au pied d'un immense chêne qui se trouvait là. Patch le rejoignit et se coucha près de lui. Malgré l'instant déroutant qu'il venait de vivre, Alexandre restait d'un grand calme. Il se sentait protégé par le grand chêne contre lequel il s'était assis. Il reprit ses esprits. « C'est sûrement mon imagination, » pensa-t-il. Together. Encore abasourdi par ce qu'il venait de voir, Alexandre recula de quelques mètres et s'assit au pied d'un immense chêne qui se trouvait là. Patch le rejoignit et se coucha près de lui. Malgré l'instant déroutant qu'il venait de vivre, Alexandre restait d'un grand calme. Il se sentait protégé par le grand chêne contre lequel il s'était assis. Il reprit ses esprits. « C'est sûrement mon imagination, » pensa-t-il. I hope you have enjoyed this video. See you soon. À bientôt.